J'utilise BlaBlaCar depuis de nombreuses années et vraiment chaque fois que je fais un trajet qui soit même d'une heure ou de beaucoup plus, j'utilise BlaBlaCar en tant que conductrice. Si vous ne connaissez pas BlaBlaCar, c'est une plateforme de covoiturage. Ça vous permet d'effectuer des trajets pour moins cher quand vous êtes un passager et de partager les frais et aussi de partager le trajet avec quelqu'un pour ne pas être seul pour les conducteurs. Pour ma part, je suis ambassadeur, c'est-à-dire j'ai atteint le niveau maximal. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 10 types de personnes qu'on retrouve sur BlaBlaCar, que ce soit en tant que conducteur ou passager. Comme pour les vidéos vintage, je dirais toujours là pour la personne qui utilise BlaBlaCar. On va parler d'abord sur la plateforme en elle-même et non pas pendant le covoiturage, celle qui n'a pas de photos. Il faut mettre des photos. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Il faut mettre des photos, c'est vraiment rassurant. Personnellement, en tant que conductrice, je suis un peu freinée s'il n'y a pas de photos. Maintenant, j'ai une petite anecdote, bien sûr, j'ai des petites anecdotes. Le dernier BlaBlaCar avait une photo, avait un truc très détaillé sur son profil, c'est important aussi. Il m'a envoyé une photo pour me montrer comment il était habillé ce jour-là. Et j'avoue que sur le coup, c'est une bonne idée, hein. C'est vraiment une bonne idée, mais j'étais pas prête en fait. J'étais pas prête et j'ai trouvé ça étonnant. On va pas dire que c'était creepy parce que c'est pas le cas, mais c'était très drôle de me dire voilà, je suis habillée comme ça aujourd'hui. Mais sinon, mettez des photos parce que si en plus vous n'avez jamais pris BlaBlaCar, que votre profil n'est pas rempli, vous aurez beaucoup, beaucoup moins de chances d'être accepté sur un trajet. Pour la seconde, c'est encore une fois quelque chose qui se passe avant le voyage en lui-même. Si la personne qui conduit ne vous le demande pas, précisez quels sont vos bagages. Ça paraît fou, mais ça m'est arrivé. J'avais précisé que j'étais en plein déménagement et tout ça sur mon profil, donc forcément ma voiture était blindée. Et une petite dame est arrivée et sa valise ne rentrait pas dans ma voiture. On a dû forcer comme jamais, j'étais vraiment vraiment gênée. Donc n'hésitez pas à dire voilà, si vous avez beaucoup de bagages, parce que ça peut arriver, mais vous n'êtes des fois pas seul dans la voiture. J'ai une voiture de société, il n'y a qu'une seule place et un énorme coffre. Ça va. Mais si vous êtes 4 covoitureurs, précisez vraiment le type de bagage que vous avez, qu'on puisse vous réserver la place qu'il faudra. Troisième type de personne, celle qui a des exigences horaires ou de détour. Personnellement, sur mon profil, je précise que je suis incline à faire un petit détour. Maintenant, il y a des gens, des fois, ils réservent. Il ne te parle pas, ok, il rentre dans ta voiture. Vous pouvez me déposer à tel endroit? Non? J'ai mis les arrêts que je faisais. Si ça ne te convient pas, dans mon profil, dans mon annonce, c'est écrit. Si vous voulez faire un détour, parlez-moi-en avant. Et pas une fois dans ma voiture. Je ne suis pas un fucking taxi. Petite anecdote d'une de mes amies. Elle partait pour faire région parisienne jusqu'en bas, vers Chamonix. Elle se dit, je vais remplir ma voiture de covoit, ça va m'arranger financièrement. Un monsieur arrive dans sa voiture, sachant qu'elle partait vers 5h du matin, quelque chose comme ça, pour faire toute la route et tout. Le monsieur lui dit, par contre à 13h, je dois être à tel endroit, j'ai une réunion ou une conférence et tout ça. Pardon. Ma copine est très très sympa, donc elle s'est dit, vas-y, on essaye. Mais pas de pause pipi, pas de pause clope, plus jamais en fait, quand vous avez des trucs horaires comme ça. Mais prenez le risque de demander à quelqu'un ou alors démerdez-vous et partez la veille. Enfin, je veux dire, t'as une conférence à 13h, tu dis je vais partir à 5h du matin avec un covoit, ça va être sympa. On en discute avant, si c'est pas possible, tu trouves un autre moyen, tu prends le train. Voilà, oui, ça va être une vidéo coup de gueule un peu, hein. Ah, vous me connaissez maintenant. Pour continuer sur l'avant-voyage, il y a celle qui réserve pour une autre personne. Ce n'est pas un souci en soi puisque j'ai déjà pris des mineurs dans ma voiture et que les parents réservaient pour eux. Je m'assurais bien évidemment qu'ils étaient récupérés à l'arrivée. Maintenant, c'est souvent le cas. Une personne réserve donc qui a un profil tip top. Vient le jour du covoiturage, tu vois une autre personne arriver. Oui, c'est moi qui ai... Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, pourquoi? Il y a des femmes, par exemple, qui ne veulent voyager qu'entre femmes. On peut le préciser dans notre annonce. Ok. Sauf qu'il y a des femmes qui réservent pour des hommes et il y a des femmes qui, donc, se retrouvent mal à l'aise face à un covoitureur. Que le covoitureur soit clean ou pas, ce n'est pas la question. Si la personne a voulu voyager avec ce profil-là, c'est parce qu'elle l'a décidé. Il y a des gens qui acceptent tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais je pense que
utiliser un autre profil parce qu'il est mieux noté, parce qu'etc. C'est un peu moyen. Quand j'ai voulu aller récupérer mes meubles lors de mon déménagement en Ile-de-France, donc faire Angers-Ile-de-France, quelqu'un voulait absolument réserver, mais ne répondait pas. Et moi, j'ai finalement eu l'opportunité d'avoir deux filles qui se connaissaient. J'ai pris ces deux-là à me dire « Oui, mais non, vous voulez pas annuler une des filles et tout, parce que là, j'avais pris pour mon copain. » Je voyais l'âge, 19-20 ans, ton copain ne peut pas réserver tout seul. Donc déjà, ça m'avait énervé. Mais non, en plus, j'avais accepté en premier lieu une fille de 17 ans. Il était hors de question qu'il y ait un homme dans mon camion de déménagement avec une fille de 17 ans. Ça peut vous paraître fou, mais on se sent tout le temps en danger en tant que femme. Et il est hors de question que j'impose ça en plus à des mineurs. On va passer à la prochaine, bien évidemment. Plus ce qui est dans le cœur du voyage, vraiment, même si j'ai déjà fait allusion avec ceux qui ont des exigences de timing, etc., qui t'en parlent qu'au dernier moment, il y a la personne qui s'endort. Petite anecdote. Oui, des anecdotes, j'en ai plein, parce que j'ai je ne sais combien d'heures de conduite sur Blablacar. Mon premier Blablacar. La première partie se passe très bien, je suis même toujours en contact avec la... C'était ma première covoitureuse. Et puis il y a eu le deuxième covoitureur de Valence jusqu'à Hyères-les-Palmiers. J'avais précisé dans mon annonce que je faisais un gros trajet de 8-9 heures, etc. Que j'avais besoin qu'on discute avec moi pour pas m'endormir ou même... Voilà. Déjà, il rentre dans la voiture, il me dit qu'il n'a pas mangé et qu'il a faim. Bon, je dis, moi, écoute, j'ai faim aussi. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête quelque part? On mange en s'arrêtant? Ou tu veux qu'on mange sur la route? Moi, je m'en fichais, personnellement. Il me dit, non, vas-y, on s'arrête et tout. Ok, on s'arrête. On mange, on rentre dans la voiture, il s'endort sur l'intégralité du trajet. Frère, j'ai spécifié dans mon annonce et on en a discuté avant que j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse la conversation. On passe à la personne suivante et c'est en lien avec la personne précédente dans mon cas. Cette personne qui s'est endormie dans ma voiture m'a mis ma plus mauvaise note sur la Blablacar et c'est à cause de cette personne que je me traîne un 4,8 sur 5, alors que j'ai toujours eu 5 sur 5, depuis le début. Cette personne n'a pas noté le trajet parfait alors qu'il s'est endormi. Je veux dire, ça veut dire que ma conduite est pépouse, hein. Si tu t'es endormi, t'avais pas peur, t'es arrivé à destination. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais non, monsieur m'a pas mis parfait. Je comprends pas. Pour vous, c'est quoi un trajet qui n'est pas parfait dans ce cas-là? Avec les gens qui s'endorment, il y a aussi les gens beaucoup trop à l'aise. Genre... on se connaît depuis, etc. Bon, ça m'arrive de prendre souvent des personnes assez jeunes qui sont assez à l'aise et tout, mais j'en ai eu un qui a enlevé ses chaussures dans ma voiture. Il s'est assis en tailleur sur mes sièges, a sorti un instrument de musique et m'a joué de la musique en me proposant du thé. C'était pépite. Non, c'était un mec très très sympa. Chaussures dans ma voiture. Et c'était l'époque où j'osais pas trop dire parce que c'était mes premiers covoites et du coup j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Mais maintenant, n'enlevez pas vos chaussures dans ma voiture. Avant de passer à la suite, si jamais cette vidéo vous plaît, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous vois, ceux qui n'activent pas la cloche. C'est faux. Non mais c'est bon, qu'est-ce que tu veux toi? Pourquoi tu mens à tes abonnés? Si je les vois, les gens. Non, mais tu veux vraiment qu'on s'énerve? Non, mais t'es toujours en train de me reprendre les trous. C'est vraiment chiant. Dans les personnes, encore une fois, trop à l'aise. Et ça, c'est marrant parce qu'on les retrouve dans chaque type de choses dans la vie. Les personnes qui te draguent, qui sont lourds, qui te recontactent ensuite, etc. Ça ne m'est pas arrivé. J'ai de la chance. Mais j'ai vu beaucoup de... témoignages, etc. Et notamment celui de la chanteuse youtubeuse Cindy. J'essaierai de vous mettre la vidéo juste ici qu'elle avait fait sur son Blablacar de l'enfer. Je vais pas vous spoiler, mais le type était lourd et creepy. Ça arrive extrêmement souvent. Je dis pas, hein, qu'il peut pas y avoir petite rencontre ou quoi. Un de mes covoitureurs m'avait confié que dans son dernier covoiturage, il avait pécho la meuf sur la banquette arrière. Ça, c'était pécho. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut y avoir étincelle. Ça n'est pas réciproque. Laissez tomber. Je vous l'ai déjà dit. Non, c'est non.
Et l'absence de réponse ne vaut pas un oui. Donc laissez les gens tranquilles. Beaucoup de gens utilisent Babacar parce qu'ils sont par exemple étudiants qui n'ont pas beaucoup de sous ou que sais-je. Arrêtez de draguer n'importe où, n'importe comment. Bien sûr que tu peux tenter ta chance. Il y a eu feeling. Écoute, voilà, j'ai passé un bon voyage avec toi. Est-ce que y aurait possibilité qu'on se revoie un jour pour boire un verre et tout? C'est possible, tu peux tenter ta chance. Mais n'insiste pas. Et sur Babacar, il y a des gens qui ont dû porter plainte. Est-ce que vous vous rendez compte? Et je pense à toutes celles, parce qu'on sait que c'est des femmes, la plupart du temps, qui n'ont pas porté plainte, qui n'ont pas pu. Je n'imagine même pas ce qui pourrait se passer. Oui, il y a ce genre de gens sur Blablacar. Faites attention à vous. Dans le genre qui se fout de la morale, il y a les racistes sur Blablacar. Oui, il y en a. Il y en a partout. Ils sont partout. Il y a des gens qui ne te prennent pas du fait de ta couleur de peau. Je suis toujours conductrice, je prends du moment qu'il y a une fucking photo. Juste parce que ça me dit, il ou elle a rempli son profil, c'est con, mais ça se trouve c'est un putain de psychopathe. Mais bon, il peut pas y avoir de psychopathe dans une voiture. J'ai un ami qui m'a raconté une anecdote qui lui arrivait vraiment dernièrement. Il devait faire Paris-Toulouse et... il se dit, super, j'ai un Blablacar qui part de ma ville quasiment et qui arrive à Toulouse. Il envoie un petit message, une demande de réservation et tout. Non mais je suis déjà complet. Il sent. La voiture n'est pas complète sur le site, donc c'est à toi de changer. Si t'as plus de place dans ta voiture, tu peux changer. Il se dit, vas-y, j'ai une amie, elle envoie un message. Une amie blanche. C'est accepté d'office. Et dans cette catégorie, ça rejoint la catégorie d'avant sur les gens qui draguent, etc. Mais là, on est sur un level de creepy. Dans les racistes, il y a aussi les fétichistes. Parce que le fétichisme sur la couleur de peau, c'est du racisme. Que vous le vouliez ou non, c'est du racisme. Je vais vous raconter une anecdote. Quelqu'un que je connais voyait que quelqu'un d'autre sur le parking... d'un supermarché, attendait quelqu'un. Et il parlait au téléphone du genre « Oui, t'inquiète, j'attends une petite jeune » avec des mots du type « Oui, la peau est belle et tout ». On connaît les trucs dégueulasses. La personne arrive, la covoitureuse, avec quelqu'un d'autre, un homme. Le type pète un câble, oui, je vous avais dit de venir toute seule, etc. Pourquoi vous êtes deux et tout. Il dit « Bah, c'est mon frère, il est venu m'aider à porter mes valises ». Mais la personne que je connais, ayant tout entendu, est partie voir la jeune fille le temps que le mec aille, je sais pas quoi, acheter des clopes, alors qu'il pouvait le faire puisqu'il attendait, mais bon, bref. Il dit, ne prenez pas ce covoiturage, trouvez autre chose. Ce type-là a dit ça, ça, ça. Enfin, vraiment, je vous passe les détails, mais il a dit des trucs crus. La personne n'a pas pris, hein. La covoitureuse n'a pas pris, elle a rappelé son frère, parce que son frère était parti entre-temps, et elle s'est débrouillée autrement. Cette personne est donc sur Blablacar pour essayer de pécho. Quand je dis pécho, vous savez que c'est un autre terme que je veux employer. Des jeunes filles noires. Cette vidéo, je voulais vous montrer les types de personnes qu'il y a sur Blablacar. Je ne dis pas qu'il y a que des personnes creepy. Je vous montre le pire et les trucs les plus marrants. J'ai fait des tas de trajets qui se sont extrêmement bien passés. Mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de ces personnes-là. Attention à vous. Encore une fois. Et enfin, pour la dernière catégorie, on va être sur du chill. Ça regroupe deux parties, on va dire. T'as les gens qui parlent trop, dont je fais partie. Moi, c'est marqué sur mon profil. Je suis là pour échanger, je suis là pour discuter. Moi, il faut que le trajet, il passe vite. Et j'adore quand je tombe sur des gens qui ont le contact facile. Je n'ai pas le contact facile en temps normal, mais en covoite, je suis toute seule avec la personne dans la voiture. Il est hors de question qu'il y ait des blancs. C'est trop bizarre. Voilà, mais il y a aussi des gens qui ne parlent pas du tout. J'ai eu ce cas-là où, en première partie, c'est quand je revenais d'Île-de-France pour venir à Angers, j'avais pris une petite jeune qui, d'ailleurs, sa maman fait partie de la catégorie qui réserve pour une autre personne. Lisa, si tu passes par là. On avait hyper bien matché. Franchement, c'était trop trop bien. On discutait trop bien. Puis on a fait, je pense, 30-40 minutes que toutes les deux. Puis après, on a pris une autre dame avec nous. Bon, au début, hyper souriante la dame et tout. J'étais dans un camion, donc il y avait 3 places. Et Lisa était le plus proche de moi. Et il y avait cette dame. Et nous, on parlait de tout, de rien, de musique,
de tatouages, de piercings, de causes LGBT, de causes féministes. On était grave à fond. Je lui posais des questions sur Angers parce que j'allais juste m'installer. Quelle est la meilleure boîte de nuit, où est-ce qu'il passe de la musique comme j'aime, donc de la pop urbaine, etc. Bref. Et on voit la dame, elle se renferme de ouf. Je dis, mais tu sais, tu participes à la conversation, y a pas de problème et tout. Non, non, mais je suis en train de prier. J'étais là, est-ce que je compte du mal et tout, mais le camion que j'avais loué, mouah, quelle pépite. Et la dame, on la voyait, elle était vraiment pas bien. Plus on discutait, moins elle était bien. Et arrivée à un peu moins de 10 minutes avant son point de chute, parce qu'on l'a laissée à un point, je prenais une autre fille. Elle commence limite papa à nous hurler dessus, mais c'était pas très sympa, à nous dire oui, en gros, limite, on n'ira pas au paradis parce qu'on parle de piercing, de tatouage. Moi, mes enfants, ils auront ni piercing ni tatouage. Leur corps nous appartient. Non, le corps des gens leur appartient à eux-mêmes. Hein. Mais c'était tellement bizarre. Elle n'avait pas parlé de tout le trajet. Et là, boum, elle a explosé. Je pense qu'elle priait pour nos hommes. Donc voilà, en tout cas, Blablacar, je recommande. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce make-up. Regardez ce glow. Si vous avez des anecdotes sur Blablacar, je prends. J'aime tellement ces trucs-là. Pas forcément les trucs creepy, hein, même les trucs bien. Genre, je sais pas, vous avez rencontré votre mec comme ça sur Blablacar. Ou par hasard, vous êtes tombé dans la voiture de votre cousin au troisième degré. Enfin, j'en sais rien. Racontez-moi tout ça en commentaire. Et sur ce, à la prochaine.